Salut, inspecteur Magret. Comment vont les affaires? Elles sont toujours légales, inspecteur? Très bien, tu dois respecter la loi. Oui, mais depuis que je respecte la loi, mon chiffre d'affaires a quand même bien chuté. Tu ne fais plus de combats de coqs illégaux dans ta cave, alors? Non, plus depuis que nous sommes envahis par des poulets experts en jiu-jitsu ukrainien. On ne laisse aucune chance à une coque de compétition. Pas facile cette migration depuis la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Tu connais les règles du club, inspecteur? Je ne me souviens plus. La première règle du club est... Il est interdit de parler de la guerre en Ukraine. Message reçu, mon cher Ugly. Mais c'est que notre canard couvrait les activités pas très claires de son ami, là! C'est une sorte d'arrangement pour avoir des informations intéressantes en échange. Vous êtes un flic corrompu, et puis c'est tout. Vous voulez qu'on compare notre pedigree en matière de choses douteuses? C'est bon, je ferme les yeux pour cette fois. Dis-moi, connaissais-tu Monsieur Kwan qui vient de se faire assassiner ce matin? Monsieur Kwan est mort assassiné ce matin? Toi qui es censé tout savoir et me filer de mon tuyau? Ah ben ça commence plutôt mal là. Je n'ai plus de connexion internet depuis ce matin. C'est comme si un crétin avait fait sauter le routeur de la ville. Mais tu vas pouvoir m'aider quand même si j'ai besoin d'informations. Pas de problème, je fais confiance à ma mémoire, détective des forges. Non, moi c'est inspecteur Magret. Pas de problème, je fais confiance à ma mémoire, inspecteur Magret. Je cherche l'adresse du domicile de Monsieur Kwan, tu connais? Oui, je connais très bien l'adresse de Monsieur Kwan. Donne-moi ta carte que je t'indique l'endroit dessus. Voilà, l'endroit est indiqué sur ta carte. Merci, Ugly. Y'a pas de quoi, mon cher Magret. Pour moi, ce sera une vodka martini. Et au checker, hein, pas à la cuillère. Vous êtes majeur, vous avez l'âge de boire de l'alcool. Tu vois pas que je suis majeur? Bah en fait, je vois pas grand-chose, même avec mes loups. Et j'ai déjà vu des bouquetins avec plus de barbes. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais me prendre une cuite, du coup. Peut-être dans un prochain épisode? Oh, douille. Fermé. Et je présume qu'on n'essaie pas de la défoncer. N'est-ce pas?
Magret était là, il nous dirait un truc du style. On ne peut pas rentrer comme ça, gna gna gna, gna gna gna. Il nous faut un mandat, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais moi, je ne suis pas Magret. La grosse clé grise du trousseau rentre parfaitement dans la serrure. Hors de question que je vous laisse rentrer chez Monsieur Quan sans moi. Allons à la chasse aux indices, chère face de bouc. Il n'y a rien qui vous choque quand on arrive dans cette pièce, Magret. Quoi? Les objets d'art et de décoration? Non, Magret, la télévision. Y a pas de télévision. Justement, Magret, c'est ça qui me choque. Comment peut-on vivre sans télé? Bon, trouvons des indices qui pourraient nous faire avancer dans l'enquête. C'est un livre très épais sur l'art. J'ai récupéré l'objet. Que des choses inutiles à notre enquête. Comme l'inspecteur Magret. Des esclaves, des combats, des courses de chars. La belle époque, quoi. Cette carte ressemble à une carte au trésor de pirate. Il y a indiqué dessus Kaiten Island. Un endroit où je n'irai jamais, car je ne supporte pas les chats. Je suis d'ailleurs allergique aux chats. C'est pour ça que je me tenais loin de l'agent ChatGPT tout à l'heure. Ça est parce qu'il puait trop de la sardine de la gueule. Cet objet ne semble pas très moderne, mais de grande valeur. Hey, Magret! Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un indice caché là-dedans? Je vous demande de garder vos grosses mains maladroites dans vos poches, face de bouc. Non, même mieux. Je vous l'ordonne! J'aurais pu obéir si vous étiez mon supérieur. Ne faites pas ça! Faire quoi, Magret? Ça? Vous voyez, Magret, tout va bien! Oups! Même pas une journée avec vous et j'en peux déjà plus. Le pire dans tout ça, c'est que l'amphore semble vide. Embarquons un petit souvenir de cette enquête fracassante. Et hop! J'ai récupéré l'objet. C'est une photo de notre victime, Monsieur Quan. Il semble quand même en meilleure forme avec la tête sur ses épaules. Pas ce que vous voulez me faire faire. Tenez, inspecteur Magret, prenez cet objet. Je ne serai pas complice de ce crime en touchant ce morceau d'amphore maltraité. Tenez, inspecteur Magret, prenez cet objet. Ce n'est absolument pas la porcherie à laquelle je m'attendais. Je ne vois pas Monsieur Quan porter ce genre de pantoufles. Wow, super! Un porte-manteau! Que c'est fantastique! Une armure qui tient une épée et un couvercle de casserole en verre. Tout ça est, bien naturellement, parfaitement normal.
Je rêve. Faut être tordu pour fixer un couvercle de casserole en verre sur une armure. Pour faire croire que c'est un bouclier. En tout cas, c'est solidement vissé à l'armure. Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire faire. Je pense que j'ai assez fait de dégâts comme ça avec la cruche en bas. J'espère ne jamais retrouver un jour une de mes cornes sur ce genre d'étagère. C'est étrange, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce masque dans un jeu point and click. Une colonne à la con qui ne sert à rien. Une collection de livres qui ne peuvent m'impressionner que malgré. Collection de livres qui ne peuvent impressionner que malgré. Un caillou avec gravé dessus une grosse tête de pigeon, posé sur un corps aussi frais et dégringalé que celui de Magret. De la vaisselle propre et mal rangée. On avance très certainement dans l'enquête avec ça. Des trucs pour la cuisine qui ne nous servent à rien. Bien que j'ai une idée de l'endroit où je pourrais bien se poivrier. J'ai une tronche à faire la cuisine. J'en ai rien à foutre de ces épices, moi. Je laisse ça à Magret qui aime cuisiner les volailles, il paraît. Bon ben, il y a une casserole sans queue dans le four. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais on va la récupérer quand même. Hop, j'ai récupéré l'objet. J'en ai rien. Je laisse ça à Magret qui aime cuisiner les volailles, il paraît. Franchement, ça paraissait trop facile, non? Ces tiroirs sont aussi vides que mes... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire? Réglons d'abord ce problème de casserole sans manche. Je n'ai pas vraiment envie. Nous allons donc... Et puis, de toute façon, c'est pareil. C'est moi qui décide. C'est un papyrus qui semble avoir une grande valeur pour Monsieur Moine. Il n'y a rien d'intéressant pour notre enquête là-dedans. On dirait une carte au trésor, mais avec aucun X indiqué. De notre victime, Monsieur Kwan. Il tient dans sa main ce qui semble être des fossiles. Réfléchissons quelques secondes. Si j'en juge par les objets qu'il y a dans ce salon, et cette photo de notre victime, Monsieur Kwan semblait fan de la saga Indiana Jones. C'est une splendide armure médiévale de chevalier. Kwan semble avoir remplacé le bouclier de l'armure par... un couvercle en verre de casserole. C'est ingénieux, ça. Kwan semble avoir remplacé le bouclier de l'armure par... un couvercle en verre de casserole. Le couvercle est solidement vissé à l'armure.
magnifique colonne en marbre de la Grèce antique, très certainement. Ne laissons jamais Face de Bouc seul dans cette pièce. Un super masque de style africain. Monsieur Kwan semblait vraiment collectionner de tout. La corne de quelqu'un que je n'aurais pas à voir en face de moi aujourd'hui. Une collection de livres sur l'art. Une collection de livres sur l'art. Une superbe stèle de l'époque égyptienne, très certainement. Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire faire. Comme un air de famille entre cette cruche et vous, inspecteur McRae. Je pense que j'ai assez fait de dégâts comme ça avec la cruche en bas. Des chaussons de femme. Il y aurait-il une Madame Kwan? C'est un porte-manteau solidement fixé au mur par des vis. Cette porte semble très solide et très bien verrouillée à clé. Nous avons deux clés sur le tronçon. La première était pour la porte d'entrée. Je pense que ça serait trop facile que la seconde soit pour cette porte. Ah bah si, la porte est déverrouillée. Ben mon cochon, il y en a qui ont une belle vie quand même. Des livres dont je n'ai rien à foutre. C'est verrouillé par un mécanisme qui résiste à mes talents délicats de bouc manuel. Monsieur Kwan semblait en charmante compagnie. Ce qui nous indique que Monsieur Kwan n'était peut-être pas célibataire. Et qu'une femme avec d'énormes boobs vivait peut-être ici avec lui. Cette photo pourrait très bien nous aider dans notre enquête. Nous avons un nouveau suspect pour le crime avec cette cochonne au gros sein. Je viens de réaliser que je pensais à voix haute en fait là. On va dire que vous n'avez rien entendu. D'accord ? Ah, il y a un tournevis là-dedans. J'ai récupéré l'objet. Avant toute chose, ne gaspillons pas l'eau. Cette porte de vitrine est solidement verrouillée par un système mécanique. Un manche de casserole sur une table de nuit. C'est vraiment bizarre, ça. Hop, nous avons l'objet. Oula, on dirait qu'il se passe quelque chose. Ce socle semble être un mécanisme étrange. Réfléchissons quelques secondes. Il faudrait déposer dessus un objet plus lourd pour voir ce que ça fait. Je peux peut-être monter sur la commode et me tenir debout sur le socle. C'est une des idées les plus stupides que vous ayez eues aujourd'hui.
Les pieds fins de cette commode ne résisteraient pas à votre poids. Dis tout de suite que je suis gros. Non, pas gros, je dirais plutôt trop lourd. Et dans tous les sens du terme. Oh, douille. Cette porte de vitrine est solidement verrouillée par un système mécanique. Voici quelque chose pour vous, inspecteur Face de Bouc. Prenez cet objet. Ouais, et ça va pas tenir par l'opération du Saint-Esprit. Récupérons ce couvercle de verre avec le tournevis. Et hop, j'ai récupéré l'objet. Peut-être plus tard, quand on aura quelque chose à couvrir au moins. Réglons d'abord ce problème de casserole sans manche. Peut-être plus tard, quand on aura quelque chose à couvrir au moins. Ouais, et ça va pas tenir par l'opération du Saint-Esprit. Vient de me tomber dans les mains. On la récupère, car ça peut toujours servir. C'est vous qui payez l'eau. Faisons un peu de bricolage en ajoutant cette vis aux manches. Et voilà, nous avons un manche et une vis. Faisons à présent ce manche à la casserole. Et voilà, nous avons une casserole fonctionnelle. Et hop, nous avons de l'eau jusqu'à ras-bord de la casserole. J'imagine que Magré avec ses bras coquelets trouverait ça lourd. Vous avez entendu ce petit bruit? C'est très bon signe, ça! Et voilà! Tous nos efforts de bricoleur du dimanche payent! Non, celui-là résiste à mes charmes. On va devoir utiliser la méthode douce. J'entends par là, ben, rentrer un code, quoi. Ok, on laisse tomber pour le moment. Essayons de rentrer une combinaison pour ouvrir ce coffre.
Ok, continuons. Il reste encore 3 chiffres. Ok, on laisse tomber pour le moment. Ce sont juste des livres sur l'art, toujours l'art. Voici quelque chose pour vous, inspecteur Face de Bouc. Prenez cet objet. Avant toute chose, ne gaspillons pas l'eau. Cette vaisselle est propre, mais il semblerait que Monsieur Kwan n'ait pas eu le temps de la ranger correctement. Du miel, du chocolat, du sucre et un poivrier. Que des choses qui ne servent à rien pour notre enquête. Sur ce pot d'épices, il y a une étiquette où il est inscrit « Victoria ». Une armure qui tient une épée et un couvercle de casserole en verre. Tout ça est bien naturellement parfaitement normal. Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire faire. Vous voulez entendre une blague de construction? Oh ben oui. Laissez faire, je travaille toujours dessus. Voici quelque chose pour vous, inspecteur Face de Bouc. Prenez cet objet. Des trucs pour la cuisine. Bien que j'ai une idée de l'endroit, suivez-moi. Plaît-il, monsieur Face de Bouc? Vous m'avez parlé? Que des choses inutiles, comme l'inspecteur Magret.